les faits qui sont pareils. Donc le prétexte sans la suite, c'est moi de critiquer son chef. Donc on lui dit, c'est parce qu'aujourd'hui, cette loi n'est pas passée. Cette loi qui devait filer l'obéir de toute sa substance. Faire marche, n'est pas passée. Donc on dit non, on va faire une chose, les magistrats vont se soumettre au Sénat, les magistrats ne sont pas soumis. On est tous soumis, peut-être même on est soumis, sans qu'être on est contrôlé aujourd'hui, sans qu'on le sache. C'est comme ça que nous vivons quand même. Donc, la vraie raison, le but de cette guerre qui est cachée, mais on a voulu faire croire au peuple, que c'est parce que la justice est ici, parce que la justice est là. Et c'est évident que les magistrats que nous sommes obligés de défendre les intérêts culturels et la corporation. Nous sommes tenus. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat de tous les jours. On ne peut pas aimer aujourd'hui ce que nous avons dit, mais c'est la sécurité, c'est la réalité. Et cette réalité, elle devrait être portée à l'opinion nationale et internationale pour que les gens comprennent. Pour qu'on arrête effectivement de tirer à toute conscience sous la justice. Donc, ben, je tenais effectivement à vous faire part de ces contre-vérités, à porter des exercices à ces aides et rassurer davantage que malgré le début de la guerre projetée, les juridictions ont fonctionné normalement. Normalement, la justice et le syndicat des magistrats entendent jouer la partition dans toutes les responsabilités et dans toutes les actions s'inscrivant dans la réalité. En toutes les responsabilités et dans toutes les actions s'inscrivant dans la réalité. Voilà mon propos. Je suis sûr et certain que vous avez des questions certainement pour davantage éclairer l'opinion nationale. Et encore une fois, il y a eu cet état autonome de la présidence, cet état libre de la présidence, tient à vous remercier pour votre contribution, tient à vous remercier également pour votre quête de la lutte. Et j'avais juste le petit détail. C'est vraiment un souhait puis de cœur pour vous avez pour les questions qui vont venir éventuellement. Nous suivons les sujets sur les prêts qui sont déjà pour les paiements devant les juridictions pour garder le secret de l'instruction. Nous n'allons pas trouver des réponses en ce qui concerne les plaintes concernant un bac ou les plaintes déposées par les syndicats, mais nous sommes déjà dans tous les paiements. Les questions, nous souhaiterons que vous les entendiez surtout davantage vous éclairer sur les démarches que nous avons apportées et également les précisions que nous avons souhaité vous donner en ce qui concerne l'ouvrage et la frontière entre l'ouvrage et la liberté d'expression. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Gattara. Gracias.
Il te met la décision, il te met la clinique, il te rend le bon réveil.
il fait un verre, il fait un garçon. C'est qui t'as vu? Décision, vous me direz. À un frère, ni à Parachara, c'est la 17 ans. Moi, j'ai la 17 ans, la Yéli. À Hadilla, la Yéli. À Hadilla, la Yéli. Un frère, dans la Yéli. Ça, c'est le but. Malik, on a une question judiciaire. Ah, ni, peut-être, je m'en vois, tu vois, je m'en vois, tu 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 vois, Mali, ministre de la Justice Béta, Mali, procureur Béta, Mali, président Béta, Mali, Jigou Béta, où est-ce qu'il y a un problème? Ah, il y a un problème, il y a un problème. Voiture, voiture, ni pour la haute la table. Car pour moi, voilà, il faudra y mettre une destruction, il va y avoir un tragique. D'un frère, qui est la table, quand son climat, il est au monde, il est au à chaque fois que tu mets une vie, tu vas avoir un gros salaire. Oui, pour les libertés des choses, oui, pour les libertés, pour les libertés, notre liberté s'arrête là pour commencer ces jours. Il va avoir le temps pour la fin de la vie. Il va avoir le temps. Para con
Président, président, voilà mon bâle fait mal. Si je joue, Thank you.
sur notre voie, la voie qui va sur la région de Saint-Amaké. Alors, oui, ça fait qu'on mette le crapaud, oui, la série Tchamaké, le Sébéni Tchamaké. Mais faisons-nous ça. Donc, vous voyez la série de vos frères par rapport à vous êtes la liberté de Gracias.
démocratie, là où les gens sont, démocratie. Démocratie est aussi ça. Pouvoir politique, pouvoir législatif, et pouvoir judiciaire. Pouvoir législatif, le gouvernement a besoin. Pouvoir législatif, le gouvernement. Pouvoir judiciaire et discours. Maintenant, jusqu'à ça, actuellement, à Batavie, je vais vous proposer à ça, ministre, pouvoir battre le temps, à qui c'est que ça va fonctionner le temps, c'est juste pour vous. Il faut que nous battons une fois pour toutes, à un long temps pour tout le juge peut être un ordinaire, un homme aussi peut être un cacabine, dès qu'il a été initié à Pépé. Mais quand on vient de juge pour le monde, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie, il y a un peu de la vie. Mais c'est ce que Jésus qui fonctionnait. Ni le Saint-Élan, le Saint-Élan, le fonctionnait. On n'a pas Jésus. Non. Donc, si j'ai fait la décision avec qui, parce que construction des arcades, construction des arcades là, moi, de là, dans le monde, je ne peux pas, mais c'est la même chose, je ne peux pas, c'est la même chose, je ne peux pas, c'est la même chose. Pour tout le monde, pour la personne qui est là, nous, c'est un enfant, un enfant, un enfant. Ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire. C'est un fonctionnaire paysan, un problème de pouvoir. Et ainsi de suite, il est des avantages de ce pouvoir-là. Et c'est un fonctionnaire à tout le monde. On se comprend tout ça. Quelqu'un doit être effectif. Quand on fait un peu, on crée une barre.
Thank you.
Aujourd'hui,
comme toi. Que le monde entier vous écoute qui vous regarde. Qu'est-ce qu'il vous avez et qu'est-ce qu'il vous faut pour réellement que la justice dont vous êtes en train soit rendue enfin au nom du peuple humain. Je vous dis. Donc, maintenant, si vous êtes en train de vous faire un peu de temps,
commence à acheter vos cartes. Ah, t'es venu dans le magasin. 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 Ah, t'es venu dans le Et donc, en fait, le magistrat ne peut pas
Il y a des mécanismes de sanction à l'interne, mais ce qui fait que les gens ne sont pas, c'est qu'il est pour que le Conseil supérieur de la magistrature, à sa formation disciplinaire, condamne les magistrats et tout à l'heure, n'importe quel magistrat. Mais parce que peut-être ces procédures-là ne sont pas en train de les gens ne sont pas informés, que peut-être on ne savent pas que ces programmes-là sont juste au pays qui sont pauvres. Mais nous pouvons quand même trouver l'assurance que le centre et les éléments ne se sont jamais, mais jamais opposés à ce que des magistrats qui ont commis des manquements aient à répondre leur facture. Cela n'est jamais arrivé. Et nous faisons à ce que nos militants, véritablement, soient aussi difficiles à jouer. Mais il n'y a vraiment pas de nous pour prévoir. Ça, c'est le moment. Ce n'est pas de l'autre devoir de porter plainte contre les militants. Parce que nous sommes un syndicat de magistrats et notre mission c'est d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux. Les syndicalistes ne sont pas sur les demander de l'argent, tout ça. Mais les syndicalistes sont aussi veillés à ce que pour nous rappeler que l'honneur, la dignité de la population soit respectée. Et la dernière question sur laquelle je voudrais vous commencer, a trait au fait que quelqu'un a demandé pourquoi est-ce que les intérêts des magistrats ont fait en Dieu et les places du magistrat personnellement consacrées. Je voudrais dire dans mon propos similaire, les centres et les imams sont votre organisation sociale. Nous avons des droits d'esprit en justice. Et ces militants-là, notre rôle est d'assurer la défense au plus large intérêt également. Nous l'avons dit, lorsque nous portons plainte sur les faits de l'intérêt, nous assurons de ce que les faits intérêts ne sont pas par l'implication même du cas ou d'autres appréciations ou très combinaisons et du recours par le bien des informations. Mais nous avons dit également que nous assurons de l'assentiment des collègues concernés. Mais il est bon pour vous de savoir que ces collègues-là, évidemment, peuvent, indépendamment de l'action syndicale, saisir la justice. Mais ils ne sont pas aussi saisis la justice, ça doit être perçu. Perçu comme un bureau, comme autre chose. Nous sommes dans notre droit, lorsque nous sommes dans notre complet, parce que nous militons dans la vie. Thank you.